Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Payback. Donc comme vous voyez, donc voilà. Donc aujourd'hui c'était pour faire une petite vidéo comment avoir de l'XP et de l'argent extrêmement facilement dans Need for Speed Payback. Donc il faut que vous ayez déverrouillé bien sûr cette course tout terrain qui est au niveau 301 requis, enfin 300 je crois, je sais plus exactement, mais elle se trouve ici, donc vous pouvez pas la louper. Elle est en plein milieu de la, enfin presque en plein milieu de la map, sur comme vous voyez l'îlot central en gros, un petit peu en haut. Donc je sais plus au bout de combien de temps vous la déverrouillez, mais elle est très très intéressante parce que vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Donc pour passer vos niveaux c'est plutôt cool parce que vous gagnez 144 000 de rep, 375 en 2 minutes 20 maxi. Donc c'est plutôt cool. Après bon, le temps d'y retourner, vous situerez un tout petit peu plus en dessous, mais bon, la course elle fait 7 km je crois, ou 5, donc ça se fait extrêmement vite. Honnêtement c'est plutôt cool, vous gagnez 13 000 dollars à chaque fois. Donc si vous voulez vite monter niveau 50, c'est la seule course, c'est pour le moment la seule course que je connais qui se fait rapidement sans grosse prise de tête, parce que il n'y a pas trop de virages. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas non plus 40, et elle se débloque pas, enfin elle se débloque ok vers la fin, mais en attendant vous pouvez essayer d'autres choses, vous avancez dans l'histoire, parce que moi je suis presque à la fin là en fait, et du coup c'est presque à la fin que vous débloquerez normalement cette course, si je me trompe pas, il me semble. Donc comme vous voyez elle est très intéressante, donc elle se situe ici, vous avez le temps de voir exactement, elle se situe ici. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, ici. Et donc du coup, je vais la faire pour vous montrer que c'est très intéressant. Bon, en tout cas, je sais que pour ma part, bah, on va dire que ça m'intéresse. Puisque regardez, là, j'étais à 600 000 sur les 20 000 et quelques. Bah, regardez à combien j'étais à 630 000, je crois, de rep au niveau 20. Bah, regardez à combien je vais passer. Franchement, c'est... Ça fait vite monter et c'est cool. J'ai pu passer quelques niveaux avec ça et franchement ça fait plaisir. Parce qu'honnêtement au début je comprenais pas trop. Enfin moi il me fallait le temps que je comprenne en fait, parce que l'ancien Need for Speed c'était pas ça du tout. Et sur l'ancien d'ailleurs je suis même pas niveau max encore. Alors pour vous dire j'ai un peu lâché prise. Mais là j'aimerais bien passer niveau 52 rep avant qu'ils augmentent au cas où. Si ça fait comme dans Need for Speed 2000, c'était lequel? 2015. Oui, avec les mises à jour, ils ont augmenté le niveau à chaque fois de 5 ou 10, je sais plus, mais c'était des millions à chaque fois à passer, c'est trop long. Et là, j'ai la flemme, quoi. Donc du coup, parce qu'une fois que t'as terminé le jeu, bah t'as pas envie de tout retaper, ou... Voilà, quoi, du coup, là, tant que le jeu vient de sortir et que je suis dedans, j'ai bien envie de m'y mettre, quoi, tu vois. Donc du coup, partagez à vos potes, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Si cette vidéo peut arriver en tendance, bah honnêtement... Je vous remercierai jamais assez. Et si elle arrive pas en tendance, bah c'est pas grave, c'est la vie, hein. Peut-être qu'un jour je serai en tendance dans 40 ans. Ça pourrait être pas mal. Bah, d'ici là, on va continuer les vidéos, il n'y a pas de problème. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. On se fait plaisir sur un petit NFS. Oh là là, par contre, je me suis fail, mais c'est pas grave. Je pense pas battre mon record de toute façon. Ça m'étonnerait. Parce que mon record c'est 2,08, je crois. Une connerie dans le genre. Donc je pense pas vraiment le battre maintenant, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais, hein, de toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. À part la course, mais... Tranquille, la course, je peux pas la perdre. Faut juste pas vous fail, en fait, c'est tout. Hein. Après, c'est tout simple. Regardez, il me reste 1,50 km, et ça fait que 1 minute 40 que je suis dans la course. Après, s'il y en a un qui trouve une course beaucoup moins longue... J'ai failli louper le checkpoint. S'il y en a qui me trouve un sprint beaucoup moins long et qui rapporte autant, et bah vas-y, fais-nous partager, franchement ce sera avec grand plaisir. Vous le savez très bien, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est avec plaisir qu'on partage ça et c'est cool. Il faut partager de toute façon. Ah! Oh! Je crois que j'ai battu le record. Mon record personnel. Ah non, je l'ai pas battu. J'ai battu le record autologue, mais pas mon record perso. Enfin, je crois pas. Donc voilà, vous allez pouvoir. Voir que bon, j'ai réussi le défi, donc j'ai gagné plus de thunes. J'ai gagné 10 000 en plus, mais regardez, plus le défi, ça vous fait 23 000 de thunes à chaque fois, à peu près. Ça va. Et regardez les 144 000 de rep, 8, dans la monnaie. Plus la... Ah oui, parce qu'il y a une speed carte à chaque fois, donc faut pas l'oublier. Oh, ça peut être très très intéressant, mais je sais pas, je me tâte. Ça me ferait passer à 345, ouais.
Bah écoute, on va le prendre, hein. Donc voilà, regardez, en haut à droite, je suis à... Pourquoi ça veut pas s'afficher? La rep. Ah, ça veut pas dire à combien je suis de rep. Attends, faut peut-être rouler un petit peu, je sais plus comment... Ah oui, je sais plus comment faut faire, mais ça veut pas... Ah là, normalement, ça va s'afficher. Voilà, regardez, je suis passé à 814 000, j'étais à 630 000. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les gars. Mettez un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, la bise. Prenez soin de vous. Portez-vous bien, les gars. À la pro.